Salut les frérots, c'est Frankie Foot. J'espère que vous allez bien. Moi les gars, ça va nickel. En ce moment, comme vous le savez, l'OM, on est très bien. Deuxième du championnat, tout se passe bien. Donc voilà, je suis content évidemment. Là maintenant, je dois passer un petit coup de gueule. Voilà, c'est la première fois que je vais faire ça sur ma chaîne où je vais m'en prendre à un YouTuber. Voilà, donc je suis obligé de faire cette vidéo aujourd'hui. Tout en restant poli, je vais pas parler mal, ça sert à rien parce que moi je suis intelligent, hein. Même si lui il a 40 ans, qu'il a rien dans le cerveau, moi peut-être j'en ai 27, mais je suis intelligent, j'ai une femme, j'ai deux enfants, j'ai une maison, j'ai des responsabilités et je connais le ballon, voilà. Et j'ai des vrais abonnés sur YouTube, mes abonnés, je vous dédicace, j'ai presque 2000 abonnés, je vous dédicace à tous parce que voilà, c'est grâce à vous que j'en suis là. Et je cherche pas le buzz, je cherche rien du tout. Moi, j'en ai rien à foutre de ça. Voilà, donc je vais dédicacer mes abonnés. Voilà. Et cette vidéo, je la dédicace aussi à Supporter of Marseille. Voilà, j'ai vu sa vidéo qu'il a fait sur AZ Story. Et la vérité, les gars, il m'a donné envie de faire la même chose. Voilà, donc je te dédicace Supporter of Marseille. On est ensemble. Voilà. On va parler d'un petit YouTuber là. Il s'appelle AZ Story. Certaines personnes le connaissent. Il a 128 000 abonnés sur YouTube. C'est un supporter du PSG. Enfin, un supporter, si on peut appeler ça un supporter. Voilà. Moi, pour moi, les vrais supporters du PSG, même Sabri Parisien, il est meilleur. Même Parisien 88, il est meilleur. Et les débriefs d'Abou. Eux, c'est les débriefs d'Abou. Allez voir ces YouTubeurs-là. Eux, ce sont des vrais. Ils ont une bonne mentalité. Pas comme ce AZ Story. Voilà, donc AZ Story, pour ceux qui ne le connaissent pas, vous allez sur sa chaîne, hein, vous regardez un peu ce qu'il fait. Le mec, c'est un supporter du PSG qui fait des lives sur l'OM. Voilà, il a fait récemment Marseille-Bordeaux, il a fait récemment Angers-Marseille, et en train de faire des lives sur nous, de nous clasher, Marseille ci, Marseille là, vous êtes des brêles, les sardines, les ci, il a clashé Bengouz, il a clashé tout le monde. Voilà, donc en gros, tu es là que pour faire le buzz, quoi. Tu es là que pour faire le buzz. Hein. Moi, je suis supporter marseillais. Est-ce que tu m'as vu, moi, une fois dans ta vie, faire un live sur le Paris Saint-Germain? Est-ce que tu m'as vu faire ça? J'ai des abonnés parisiens, moi. J'ai des abonnés parisiens. On s'entend très bien. J'ai même des Parisiens qui m'ont félicité lorsqu'on allait en finale contre l'Atlético Madrid, qui nous ont soutenus, même limite. Parce qu'ils ont une bonne mentalité. Tu comprends? Voilà, toi tu es là en train de clasher l'OM, en train de faire des lives sur l'OM. Allez voir ses vidéos. De toute façon, allez voir la vidéo de Supporter of Marseille. Allez la voir. Lui, il fait les montages et tout. Il te montre bien les passages qu'il dit sur nous, ce AZ Story là. Mais voilà, AZ Story, tu n'as pas de vie. C'est quoi ta vie? Et en plus, à ce qui paraît, à ce que j'ai entendu, tu as 40 ans. Tu as 40 ans dans le cerveau. Et là, dans ses lives, il pète. L'OM, Dimitri Payet, il va rater. Il va rater. Gros, on dirait que tu as 8 ans et demi. J'ai un fils de 4 ans. Même pas mon fils de 4 ans, il le fait ça. Tu es un minot, tu es un gamin. Fais des lives sur ton club et occupe-toi de ton club. Pourquoi? Parce que tu sais que l'OM, ça fait des vues. Eh ouais, l'OM, ça fait des vues, hein. Alors on fait des lives sur l'OM. Eh oui. Eh oui, comme Marseille, c'est très aimé dans le monde entier. Eh, l'OM, c'est très aimé. Alors on fait des lives sur l'OM. Pour clasher l'OM. T'as que ça à faire. T'as que ça à faire. Bon, moi, je te respecte pas. Voilà, moi, je te dis la vérité. Je ne te respecte pas. C'est mon premier clash sur YouTube. Ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. J'ai jamais clashé un YouTuber. Ou à part quelques-uns, vite fait. Mais c'est pas des YouTubers. J'avais clashé, je sais pas qui, un boxeur, là, une fois. Parce qu'il avait fait des. Il avait pissé à Marseille dans les trucs et tout. Là, bon, bref, c'est autre chose. C'est le premier YouTuber que je clash. Eh ben, ce sera toi, AZ Story, voilà. Réponds-moi, qu'est-ce que tu veux? Tu veux me répondre? Tu me réponds, j'en ai rien à foutre. Perso, de ta vie, j'en ai rien à foutre. Déjà, premièrement. Moi, je suis là, je suis supporter marseillais, je fais des lives sur mon club, je commente l'actualité de mon club. Hein? Et je suis pas là à faire des vidéos sur Paris tous les 5 minutes, à clasher Paris. Hein? Moi, j'ai pas que ça à faire dans ma vie, moi. Tu vois? J'ai une maison, j'ai des enfants, j'ai une femme, j'ai autre chose à m'occuper. Voilà. Et j'ai des vrais abonnés. Nous, on n'est pas 130 000 sur ma chaîne. Hein, on est 2 000, mais j'ai 2 000 vraies personnes. On est 1 700 exactement. On est 1 700 exactement. Et j'ai 1 700 vraies personnes qui me suivent. Et que je parle avec eux. Et que je réponds avec eux en commentaire. Et que je parle avec eux. Tu vois? Pas comme toi, en train de faire des lives sur Angers, Marseille, OM, Bordeaux. Mais t'as pas honte. Hein? T'as pas honte d'attirer le buzz comme ça. T'as pas honte. T'as que ça à faire de ta vie. En plus, tu as 40 ans, j'en ai 27, gros. J'en ai 27 ans dans le cerveau.
J'ai le double de ton cerveau, le double. Le double de ton cerveau réuni, j'ai. Qu'est-ce que tu fais des lives? Quand Payet tire le penalty pour Angers Marseille, et là il dit ouais, coup franc, le coup franc qui va tirer Payet, il va le rater. C'est un penalty. C'est un penalty qui tire Payet. Tu comprends rien au ballon. Tu ne comprends rien au ballon. Tu es juste là pour faire le buzz, c'est tout. Moi, le buzz, je m'en bats les couilles du buzz. J'en ai rien à foutre, moi, du buzz. Je m'en fous complet, moi, du buzz. Moi, je préfère avoir 3 ou 4 000 abonnés, mais que j'ai des vrais abonnés, des vraies personnes qui me suivent, qu'avoir toi à 128 000 abonnés, hein, qu'à ce qui paraît, tu les payes. Tu as payé des packs abonnés, à ce qui paraît. Tu as payé des packs abonnés, à ce qui paraît. À ce qui paraît, tout ça pour monter, pour percer plus haut. Tu n'as pas honte, hein? Voilà, donc c'est un coup de gueule que je voulais passer. La vidéo, peut-être, elle va être censurée parce que j'ai 2-3 gros mots. C'est pas grave, je m'en bats les couilles qu'elle soit censurée. Voilà, hein, je le répète, je m'en bats les couilles. Voilà. Et franchement, tu fais pitié. AZ Story, tu fais pitié. Voilà. C'est la dernière vidéo que je fais de toi. Même si tu me réponds, je ne te répondrai pas. Je rentre pas dans ton jeu. Moi, je te dis, j'ai 27 ans, j'ai un cerveau. Je suis plus intelligent que toi. Moi, je vais pas m'emboucaner avec toi tous les 5 minutes à faire les trucs à buzz. Tout, moi, je n'ai rien à foutre, moi, de trucs à buzz. Moi, je suis un homme, tu vois. Moi, les trucs à buzz, je n'ai rien à foutre. Voilà. Donc, je te passe ce petit coup de gueule. Si tu pouvais arrêter de faire des lives sur l'OM en critiquant l'OM, ça serait bien. Après, si tu veux pas arrêter, n'arrête pas. Moi, perso, je veux plus rien savoir de toi. Voilà, premièrement. Voilà. Et je dédicace tous les Marseillais, je dédicace tout Marseille entier, je dédicace tous mes abonnés, je dédicace Bengouz, Mohamed Denis, supporter of Marseille, Greg Empêche-moi, enfin tous. Je les dédicace à tous, voilà, hein, premièrement. Et nous, on est des vrais, nous. Nous, on est des vrais, on n'est pas là à faire le buzz comme toi. En train de faire des lives sur Marseille-Bordeaux et Angers-Marseille et à faire ton gamin en danser comme un gamin, en train de péter comme ça, à faire le qu'est-ce que t'as, quel âge, t'as quel âge? Mais quel âge t'as? Quel âge tu as pour faire ça? Tu as 40 ans. Tu as 40 ans, tu fais des trucs de gamin, en train de clasher l'OM toute la journée. Occupe-toi de ton club. Occupe-toi de ton club. C'est incroyable, mais c'est incroyable les gens comme ça. Moi, je connais des youtubeurs parisiens, je les respecte. Je vous ai dit, les débriefs d'Abou, Parisien 88, c'est des gens bien, eux. Ils sont là, ils sont pas en train de nous descendre toute la journée. Toi, tu es là, tu as que ça à faire parce que tu sais que ça clique. Quand tu fais des lives sur l'OM, tu sais que ça clique. Tu sers, tu es là que pour les clics et les vues. Sérieux, réveille-toi un peu, réveille-toi. Après, j'ai rien contre toi, tu vois, ça reste du foot. Mais c'est énervant. C'est énervant. Tu attends quoi? Tu veux quoi en fait? C'est quoi que tu veux? Tu as que ça à faire dans ta vie? Fais autre chose, fais des lives sur ton club et occupe-toi de ton club. Voilà, laisse l'OM tranquille. L'étoile, elle est là, l'étoile. L'étoile, elle est là. Laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. 5 finales de Coupe d'Europe, on a à notre actif. Tu en as 0. Tu as gagné une Coupe d'Europe qui n'existe plus. Arrête de parler avec nous. Arrête de parler avec nous et arrête de faire des lives sur nous. En train de dire les sardines, les brels, les si. Quand ton club fera déjà une demi-finale ou une finale, allez, quand ton club fera une finale de Coupe d'Europe, tu m'appelles, hein? Tu m'appelleras au téléphone, d'accord? Et c'est pas pour clasher Paris, hein? Je suis pas en train de clasher Paris. Je suis pas en train de clasher Paris, moi, contrairement à toi. Mais c'est la triste réalité, elle est là. On a 5 finales, d'accord? AZ Story, on a 5 finales. Regarde sur YouTube, ça va t'émerveiller les yeux. Tape Marseille-Milan 93, tape Marseille-Étoile Rouge de Belgrade 91, tape Marseille-Parme 99, tape Marseille-Valence 2004, tape Marseille-Atlético 2018. Certes, on les perd, mais on fait 5 finales, d'accord? Voilà, alors je pense pas qu'on ait des sardines, hein poteau? Voilà, sur ce, je vous embrasse à tous les gars, c'était Francky Foot. Allez l'OM, à la vie à la mort, désolé pour cette vidéo. J'ai pas l'habitude de faire ça sera la dernière les gars. Après on repart sur l'OM tranquillement. Mais là le coup de gueule, j'étais obligé, voilà. Et dédicace à supporter of Marseille. Je lui dédicace cette vidéo à lui. Voilà, parce que c'est lui qui m'a donné de faire ce coup de gueule. Et AZ Story, je ne te répondrai pas. Je veux rien savoir de toi, voilà. Juste je passe un coup de gueule. Et voilà, laisse-nous tranquille. Laisse-nous tranquille. Fais des lives sur ton club et arrête de nous briser les. Hein? Arrête de nous briser le cerveau. Voilà. Ciao le poteau. Allez, l'OM.